Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Le thème de ce forum est survivre. Nous recevons Patrick Entréau pour Se survivre aux éditions Verdier. Nous recevons également Philippe Ramy pour Béton armé aux éditions de la Table Ronde. Enfin, Boris Razon pour Palladium aux éditions Stock. Ce forum est animé par Daniel Martin. Alors, rebonjour à ceux qui étaient là, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, mes trois invités ont en commun l'écriture et la maladie. C'est le cancer pour Patrick Entréau, la maladie des os de verre pour Philippe Ramy. Et pour vous, Boris Razon, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, trois mots, quatre phrases de cette maladie? Oui, ça va être un peu difficile en fait. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré atypique, ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'était, mais je me suis retrouvé entièrement paralysé des pieds à la tête en quelques jours et pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire que vous meniez une vie tout à fait normale et soudain... Et soudain, j'ai commencé à avoir des picotements au bout d'un doigt. Et cinq jours après, j'étais tétraplégique, intubé, ventilé, les yeux scotchés. Alors, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est la question de l'écriture. Est-ce que, globalement, pour les uns et les autres, vous avez considéré l'écriture comme un recours, comme une façon de témoigner, autre chose pour vous? Est-ce qu'avant d'avoir ce problème de santé, vous aviez pensé écrire un jour? Oui, j'avais pensé écrire, et d'abord j'écrivais parce que j'étais journaliste, et j'avais déjà écrit fait un manuscrit qui n'était pas bon, mais c'était une préoccupation, l'écriture. Et au fond, ce livre, c'est le fruit de la rencontre malheureuse entre la maladie et ma vie. Mais du coup, l'idée de l'écriture, c'était plutôt celle de la transformation. Et pas tant l'idée du témoignage qui m'importait peu parce que j'avais pas envie de témoigner de ce que j'avais vécu. En revanche, reprendre d'une certaine manière le pouvoir sur ma vie en la racontant et en faisant un roman, c'est-à-dire une fiction potentielle, c'est ça qui était important. Patrick Entréau, est-ce que vous aviez, vous, avant ce cancer, l'intention d'écrire? Oui, depuis très longtemps, j'écrivais, j'ai lu de la poésie assez jeune. La maladie n'a pas révélé l'écriture, elle a juste accéléré une sorte de mûrissement intérieur qui a fait venir des livres. Alors, pour en venir à cette question, est-ce que vous avez écrit pour témoigner? Est-ce que vous avez écrit pour écrire? Est-ce que vous avez écrit, effectivement, votre texte s'appelle « Se survivre là », est-ce que vous avez écrit comme ça pour reprendre pied dans la vie? Comme le dit Boris Razon, c'est pas un livre qui est un livre de témoignage, c'est un livre qui essaye d'utiliser la matière vécue, l'expérience vécue au travers de la maladie et de lui donner une forme littéraire qui soit le plus proche possible de l'expérience intérieure qu'on traverse dans cette maladie-là. Philippe Ramy, vous, le problème est différent parce que c'est une maladie qui est beaucoup plus longue. C'est une maladie avec laquelle vous vivez depuis beaucoup plus longtemps. La rencontre avec l'écriture se fait essentiellement avec un personnage qui s'appelle François Bon. Enfin, c'est lui qui sert vraiment de déclencheur. Et qu'est-ce que vous cherchiez dans l'écriture à ce moment-là? Le moment auquel vous faites allusion était l'un de ces moments bénis, dans le fond, où l'écrivain en devenir peut soudain tracer une ligne dans sa biographie qui signifie le basculement de cette écriture cachée, dans le fond, de cette écriture accumulée, de cet apprentissage du langage qui ne mènera pas forcément à la publication. Mais il n'empêche que certaines rencontres permettent ce basculement et permettent de montrer sont dans le miroir de non pas la bienveillance mais de l'attention de quelqu'un qui vous fait sortir de votre sphère de confort langagier. Et ce que nous disions tout à l'heure, c'est vrai que la conquête du langage qui permet non pas seulement de pallier aux déficiences du corps, mais de l'inventer
et de le développer, comme pourrait le faire un organe qui, lui, serait très valide, à savoir le langage serait un organe très valide et viendrait explorer des territoires où le corps, matériellement, ne va pas. Alors, c'est vrai pour vous, Patrick Otréo, c'est vrai pour vous, Philippe Ramy. Il y a d'un côté la question de la maladie, il y a surtout maintenant ce qu'on peut appeler une œuvre, c'est-à-dire que vous avez imposé des thématiques, un style, vous êtes identifié, vous existez en tant qu'auteur. Alors Boris Razon, c'est un peu tôt parce que vous en êtes encore au premier texte, mais n'empêche que le texte que vous avez publié a connu un très beau succès critique, succès public également, donc vous existez. Est-ce que cette part d'écriture, cette part d'écrivain, cet être écrivain que vous êtes, quelle place elle occupe dans votre vie et comment elle vous permet de peut-être de franchir les difficultés les uns les autres ? Pour ce qui me concerne, l'annonce de la maladie, qui était d'abord une annonce de mort tout de même, m'a mis dans une forme de pauvreté. J'avais toujours voulu écrire, j'écrivais depuis longtemps, mais j'avais pas écrit, atteint une sorte de seuil littéraire qui me faisait passer à l'écriture d'un livre de prose complet. Le fait d'être malade m'a fait abandonner l'idée même d'être écrivain. Et donc je me suis retrouvé dans cette nudité. Et je crois que c'est à partir de la nudité de ce que je voulais, de ce que j'avais été, que j'ai commencé à écrire, à devenir l'écrivain que je suis aujourd'hui. Donc c'est un écrivain qui a vraiment été engendré par cette forme de nudité-là. Et on pourrait dire de beaucoup de grands écrivains, la vraie écriture commence aussi par une forme d'abandon. Oui, bien sûr, de lâcher prise. Mais le mot de nudité est quelque chose c'est un mot qui est important, je crois, parce que c'est pas uniquement la nudité du corps, il s'agit bien de la nudité sociale, de la nudité intellectuelle, de la nudité des références philosophiques, des références métaphysiques. On est dans une confrontation, dans une sorte de sidération traumatique qui, à mes yeux, est le lieu source d'écriture. Si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était à partir effectivement de cet individu qu'on peut dire condamné par une maladie à un moment, qui se pense comme ça, va renaître un autre individu qui va s'appeler un auteur, un écrivain. C'est un peu sur ce glissement-là que je voulais... Alors, c'est difficile d'en parler parce qu'il y a quelque chose qui échappe. Parce que, pour moi en tout cas, il me semble que c'est en même temps le travail d'une sorte d'application et de volonté et une forme d'abandon à ce qui vient. Il y a une part de l'écriture et de la transformation de ce nu en auteur dont j'arrive mal à voir comment elle s'est faite. En fait. Que diriez-vous de cette différence entre vous, être physique, et vous, auteur ? Je dirais, je reviens à l'intitulé de notre rencontre, survivre ou se survivre. J'imagine qu'il n'y a pas de survie sans une forme de témoignage. Est-ce qu'il y a survie sans témoignage ? Non, c'est peut-être un témoignage muet. En ce qui nous concerne, c'est un témoignage verbalisé. Et on attache à la douleur cette espèce de grand escogriffe. On parlait de nudité. Un avatar de la nudité qui pourrait être le silence. Les grandes douleurs sont muettes. Or, la douleur est la chose la plus partagée, la plus banale. Elle est comme l'ailleurs, dans le fond. Elle est comme un pays d'une radicale altérité que l'on fantasme. Mais la douleur est dans cette proximité, et dans cette ressemblance. Et il faut trouver la manière. Il y a cet écrivain magnifique, Jo Bousquet, qui a écrit ce texte étrange, polymorphe, traduit du silence. C'est un type qui a été blessé pendant la Grande Guerre et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé cloué dans son lit et qui est venu à la poésie. Pour répondre à cette question, chez lui, il y a eu une mutation liée à la blessure. Il est en quelque sorte né, il s'est dépatouillé dans ce silence du corps et dans cette immobilité. En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de moment de tenter ou un type appelé destin ou malchance ou virus ou ce qu'on veut vous tombe dessus à bras raccourcis et vous
et vous cristallise et vous crucifie. Moi, je suis né crucifié, donc je suis né dans un flux, dans une continuité. Et donc l'écriture s'est prise comme du lierre sur un mur, elle s'est prise dans mon corps comme si je n'étais pas en quelque sorte malade. Et la maladie a été pour moi le levier, un point de vue sur la réalité, mais elle n'a pas été l'outil avec lequel je me suis débattu. Elle a été vraiment l'angle, le levier d'Archimède pour soulever cette réalité et pour aller au-delà, en fait. Boris Razon, Patrick Othéo, vous voulez réagir Oui, parce qu'effectivement, moi, il se trouve que c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire que d'un coup, la maladie s'est abattue sur moi et m'a littéralement terrassé, et je me suis retrouvé réduit à néant, mais strictement à néant, c'est-à-dire sans corps. Je ne sentais plus rien, je ne voyais plus, je ne sais même pas si j'entendais, et j'étais devenu une forme de pur esprit. Je pense que l'écriture à la fois m'a appris sur moi-même et j'ai compris qu'il y avait une forme de processus jumeau là-dedans qui était que ben, pour revenir à la vie, il m'a fallu abandonner beaucoup de choses de moi-même et accepter de le laisser derrière moi. Et je pense que l'écriture, c'est aussi quelque chose où on laisse des choses, où on abandonne aussi une certaine idée de soi écrivain pour raconter, à proprement parler, avec les bons mots. Comment vous considérez ce Boris Razon écrivain qui vient d'apparaître et qu'est-ce que vous comptez en faire ? Je compte lui faire du bien, je ne sais pas exactement comment, mais j'espère continuer à écrire évidemment le roman. Patrick Othéo, sur ces questions, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou vous voulez qu'on enchaîne ? Oui, on peut enchaîner. On enchaîne ? Vous deux en particulier, alors je vous mets toujours à part Boris Razon parce qu'effectivement c'est un premier texte. Vous deux en particulier, vous avez développé un style, vous avez développé un univers, vous portez quelque chose, enfin on vous identifie dans votre écriture. Hein? Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous demande un travail particulier? Et si oui, dans quelle direction vous l'orientez? Patrick Othéo. Ça, c'est aussi une question difficile, mais peut-être que l'écriture, au fond, le fait d'être malade et d'écrire sur la maladie m'a permis d'aller creuser des failles en moi que je commençais à creuser dès avant la maladie. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est... comment dire ça, qui s'est dénoué, qui m'a permis d'aller plus loin à cause de cette expérience là, voilà. Oui, cette question amène assez naturellement ou dans l'évidence la question du style. Le corps défaillant est dans ma constellation mentale la chose sans style. Et l'écriture et la conquête sur cette désorganisation, sur cette proposition de la vie matérielle qui est le corps, le langage et la conquête du style, la conquête d'une direction, d'une maîtrise et d'une puissance à opposer à la puissance de l'entropie qui écrabouille le corps. Et donc le nerf de la guerre dans mon écriture n'est pas la chose à dire, mais elle est la manière de circonscrire et de prendre le dessus sur cette entropie. Mais vous voyez, à partir de l'idée sur laquelle je suis, c'est qu'au fond, ce qu'on retiendra de vous, c'est quand même vos écrits. On se survit dans ses œuvres, mais... C'est quand même ça. Et ce sont des écrits où la maladie intervient d'une manière ou d'une autre, mais ce sont des écrits que absolument tout le monde peut lire, ce sont pas... Oui, c'est pour ça que je parlais de faille qui précède même la maladie et que la maladie révèle... la question, je ne sais pas si on l'abordera tout à l'heure, de est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire? Est-ce que l'écriture a été thérapeutique pour vous? C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup... posé comme question, et j'ai tendance à répondre que
À mesure que les livres se sont écrits, ou le premier s'est écrit en tout cas, j'ai l'impression que je creusais davantage, non pas la douleur que j'avais vécue de l'expérience du cancer, mais une autre douleur qui était sous-jacente et qui avait été révélée par cette, révélée, si l'on veut, par cette douleur-là. Je passe la parole immédiatement à Boris Rand. Mais si vous voulez, ce qui me semble extrêmement intéressant, et extrêmement important plutôt, c'est qu'effectivement, vous posez en librairie ce qui s'appelle une œuvre, et c'est une œuvre à laquelle tout le monde peut venir puiser quelque chose, malade, pas malade, malade potentiel, etc. C'est authentiquement de la littérature. C'est ce qui me paraît extrêmement intéressant. C'est pourquoi je vous parle toujours de cette différence entre vous de chair et d'os et vous, cet auteur, Boris Razon. Je pense qu'il y a... plusieurs choses là-dedans que je retrouve, c'est qu'effectivement, moi aussi, dans le cadre de ma maladie, au fond, ce que j'ai trouvé, c'est tout ce qui était au fond de moi, mais c'était déjà là avant, c'était juste, ça a été comme réveillé, moi, ça a été tellement soudain, c'était comme un volcan et dans lequel je me suis profondément enfoncé, mais c'était constitué de tout ce qui m'avait fait, de mes peines, de mes blessures, de mon questionnement identitaire, de mon rapport à la mort, et je pense que l'écriture a une double vocation là-dedans. La première, c'est que la langue s'élève contre la destruction. C'est comme, en tout cas dans mon Attendez, cas... Attendez, redites ça, c'est très important. La langue s'élève contre la destruction. Et le texte, en tout cas les pages que j'ai remplies, c'est comme, au fond, une espèce aussi de vengeance contre cet effet de destruction et d'anéantissement que j'ai vécu. Et la deuxième chose, c'est que je crois que, en tout cas pour moi, effectivement, il y a une forme de transformation et que je connais aujourd'hui des choses que les gens normaux ni ne voient, ni n'entendent, ni ne perçoivent, qui sont des petites difficultés que laisse le handicap, des gestes qu'on ne peut pas faire, des trottoirs qui sont trop hauts, toutes ces petites choses qui fait aussi qu'on a un regard un peu de biais sur la réalité et que ce regard de biais, c'est pas forcément très loin du regard d'un auteur. Allez-y, je vous en prie. Juste rebondir sur ce que vous disiez, citer David Rousset, l'homme normal ne sait pas que tout est possible, dans l'horreur comme dans le... Et c'est ce que vous dites là, je trouve que c'est ça, enfin, dans l'objet littéraire, la lecture, lire quelque chose, c'est forcément pour quelqu'un côtoyer une forme d'inconnu. Et je trouve que ce que vous mettez en partage dans vos livres, c'est tout de même ça. Par cette forme littéraire, et ça, je tiens beaucoup. Vous, Philippe Ramy, vous avez quand même poussé le bouchon un peu loin, parce que votre nouveau livre, là, qui vient de paraître, quelqu'un comme vous, qu'on imagine fragile, s'offre quand même la possibilité de répondre à une invitation en Chine, ce qui veut dire déplacement, ce qui veut dire voyage, ce qui veut dire quand même affronter un extérieur qui n'est pas très facile. Racontez-nous ça en deux mots. J'allais vous dire que je n'ai pas du tout de maladie, qu'en sortant d'ici, je vais faire un match de catch, mais ça, c'est une autre chose. Oui, ce voyage, c'était mon premier voyage. Ce que disait Boris, je le fais mien. Ce premier voyage vers cette Chine... Si vous voulez prendre le temps de revenir sur ce que disait Boris Razon... C'était la question du point de vue. C'est par la singularité de son propre point de vue, tellement singulier parce qu'on a un corps dysfonctionnel, mais qui dans le fond renvoie à la singularité de chacun d'entre nous, mais c'est en creusant la singularité qu'on arrive à rencontrer l'autre, qui est dans la même nuit, dans le même isolement. Et ce n'est pas en essayant d'emblée d'essayer de lancer des passerelles artificielles qui viendraient en quelque sorte... Mais ça, c'est l'objet même de la littérature. Voilà. Donc la maladie n'est en cela absolument ni un avantage, ni un inconvénient. Et lorsque je me suis retrouvé à Shanghai, pour reprendre cette idée de point de vue, ici à Paris, à Brive, je me promène en fauteuil à 1m10 du sol. Et à cette hauteur-là, on croise le regard d'enfants. Il faut préciser, parce qu'on vous voit assis à cette table, il faut préciser qu'habituellement, vous vous déplacez en fauteuil. J'ai mon âne avec moi, à roulette. Et donc sur mon âne, je suis à la hauteur des enfants, des animaux, des mendiants. Et donc je suis un peu hors monde, hein. C'est un peu chez les petits comme ça. Et j'y suis bien, je me suis fait à cet endroit-là, c'est très bien, c'est ma place. Et en arrivant en Chine, c'est cette question très pragmatique du point de vue.
je suis arrivé dans cette ville, dans cette espèce de colosse, et je me suis retrouvé face à des gens qui étaient très souvent accroupis pour manger, pour lire, pour se reposer, pour rien faire. Et d'un coup, ce simple décalage de point de vue m'a permis d'entrer dans une humanité à niveau, alors que lorsque vous arrivez sur vos deux pattes, vous arrivez dans une altérité et un ailleurs radical. Et là, je suis arrivé en Chine. Alors, c'était très, très dangereux parce que à chaque coin de rue, je risque de me briser en mille morceaux. Mais c'est l'euphorie. Vous savez, c'est Galen, quand il est arrivé dans les tropiques, il a cette lettre incroyable où il dit « Pendant 2 années, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause du bruit de la mer. J'étais euphorisé, érotisé par la mer. » Et moi, j'ai été érotisé, euphorisé par la foule qui est le danger absolu, mais qui m'a accueilli d'emblée comme une vague. Et là, j'étais vraiment ça, sardine parmi les sardines. C'était magnifique. Philippe, merci. Je suis obligé de l'interrompre parce qu'après, ils vont dire que vous aviez un temps de parole beaucoup plus important que le leur, comprenez. Patrick Autréau a employé un terme que je ne voulais pas employer, mais qui est la notion du thérapeutique. Est-ce qu'il y a quelque chose de thérapeutique dans l'écriture? On va terminer sur cette idée. Alors, à la fois oui et non. Au fond, moi, je raconte beaucoup parce que ça, j'en ai pas parlé, mais il se trouve que la maladie m'a plongé dans un état hallucinatoire et que j'ai fait un très long voyage, qui est une forme d'épopée au milieu des ténèbres de mon inconscient. Et pendant très longtemps, j'étais hanté par l'idée de me souvenir de tout. Pour pouvoir tout bien raconter. Donc je me suis empressé d'écrire, j'ai écrit, je trouve que c'était très long à écrire. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ridicule comme inquiétude, j'étais traumatisé, donc je ne risquais pas d'oublier. Et l'écriture m'a permis d'oublier. En ça, ça a une vocation extrêmement thérapeutique, parce que d'une certaine manière, l'oubli, c'est le début de la Renaissance quand même. Boris Razon, vous faisiez partie de la première sélection du Goncourt, ça veut dire que vous participez au concours des lycéens, donc vous êtes énormément déplacé. Vous avez rencontré des lycéens dans la France entière. De quelle manière les lycéens vous parlent de ce livre ? Le mot qui est le plus revenu, c'est que ça les a touchés, et je suis content que ça les touche en fait. Et ce qui m'a beaucoup plu dans le rapport avec les lycéens, c'est que au fond, ils n'avaient aucune résistance par rapport à cet univers fantasmagorique et cet univers extrêmement violent qui était celui de mes hallucinations, comme si j'avais réussi, j'espère en tout cas, à toucher cette part d'eux-mêmes qui est encore fraîche, neuve et qui est prête à tout. Voilà. Et donc prête à accepter aussi que dans la vie, y compris dans des moments extrêmement difficiles, il se passe des choses extraordinaires. Philippe Ramy, un mot sur cette question du thérapeutique dans l'écriture ? Ce déracinement qui m'a propulsé dans le mouvement et dans la centrifugeuse folle de la Chine, de Shanghai, de cette mégapole, m'a permis de me rendre compte que, dans le fond, j'ai fonctionné sur le mode de la force. On me disait souvent, depuis enfant, « Philippe, tu as beaucoup de force, tu es un type costaud, malgré une force morale. » Et devant cette l'immensité de ce réel qui a même pris le dessus sur mon langage, dans ce face-à-face entre langage et réalité, que l'immensité de ce réel, je ne pourrais pas y survivre matériellement sans confiance, que la force était absolument inopérante. Et j'en suis revenu avec un texte bricolé sur place, et pour moi, j'en suis revenu avec cette mutation de la force en confiance. Et il n'est jamais trop tard pour faire ce petit pas. On va terminer par une question sur des références, si vous voulez bien. Philippe Ramy, vous êtes des trois celui qui écrit depuis le plus longtemps, qui avait le nombre de textes le plus important. Je rappelle que les premiers ont été publiés à Chaîne Éditeur, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, oui. En Haute-Loire. Oui. Et quels sont les auteurs qui vous servent de référence ? Alors, je ne dis pas les auteurs qui vous servent de modèle, etc., mais ceux qui vous portent, qui vous aident à travailler ? Ce qui m'aide encore à travailler aujourd'hui, ce sont des lectures, je vais schématiser, d'une part, les romanciers américains, They Trust in Narrative, c'est ce réapprentissage
de la narration et ce retour à l'histoire. Donc ces grandes épopées des romanciers américains, et puis une écriture plus confidentielle, l'écriture de Roger Laporte. Comme là est très confidentiel, voilà. Roger Laporte, il faut dire deux mots de plus. Donc Roger Laporte est un écrivain assez, pour moi assez incroyable, qui a passé son existence à mettre sur pied non pas des histoires ou des poèmes, mais une sorte de dispositif langagier, comme si il avait construit une grille ou un tamis ou un filtre, un piège dans lequel le langage, sous des conditions propices, pourrait se produire, ou pourrait se prendre comme un oiseau, une palombe, on est dans la région, viendrait s'attraper un temps. Donc il écrit des phrases comme ça, en espérant que le langage se produirait un jour ou l'autre. Et le jour où il écrit, le langage recule. Et le jour où il se tait, le langage avance. C'est une situation intenable, mais ça me plaît beaucoup. Où est-ce qu'on peut se procurer du Roger Laporte ? Les offres complètes ont été publiées chez POL, assez récemment. C'est une... Boris Razon, comme ça, quels sont vos auteurs ? C'est difficile à dire. Je pense qu'effectivement, mon influence, elle est plutôt du côté des grands romanciers américains aussi, et notamment de la période des années 30, 40, 50 des Hemingway et Faulkner. Mais je suis un grand lecteur du réalisme magique de Borges. Mais ce qui se passe dans la littérature française actuellement, qui est quand même portée par des mouvements, des avancées, des modifications, ne nous impressionne pas du tout. Je connais mal, je dois dire, effectivement. Ah, voilà. Alors on va passer la parole à Patrick Autréau, qui aura certainement des références beaucoup plus hexagonales. Je ne suis pas sûr, mais j'ai deux constellations de références. La première, depuis très longtemps, les auteurs de l'expérience intérieure, hein, Bataille, Michaud, et puis les auteurs mystiques, de toute obédience confondue. Et pour l'écriture intérieure, et l'écriture de l'invisible, de ce qui se touche à peine. Et puis, il y a la littérature des camps. Et ça, ça a été une littérature qui m'a accompagné quand j'étais malade. Vous avez dit la littérature ? Des camps. La littérature de la Shoah ou la littérature des camps staliniens. Au fond, les deux se ramènent à une littérature de l'extrême. L'extrême intérieur et puis l'extrême de l'expérience de l'horreur. Voilà, deux constellations, j'aime plutôt ce mot parce que c'est pas vraiment des familles de livres, mais de constellations d'auteurs qui ont été aussi des auteurs extrêmement présents et qui ont été comme des amis accompagnateurs pendant les moments de maladie. Donnez quelques noms. Primo Levi, Chalamoff, Michaud, Bataille. Vous savez que c'est assez étonnant parce que c'est pas franchement le genre d'auteur vers lesquels on pense que l'on va quand on est dans une situation. Ah mais si vous lisez Si c'est un homme ou Naufragé rescapé quand vous êtes sur votre lit d'hôpital, vous revenez vers l'humanité d'une manière étonnante. Je fais état de ma surprise, je conteste pas du tout au dire. Nous avons terminé cet entretien. Donc je recevais Patrick Autréau, Philippe Ramy, Boris Razon. Si vous voulez leur parler ou faire signer immédiatement, ils sont ici immédiatement à votre disposition. Autrement, vous les retrouverez sur leur stand. Je suppose que vous retournez sur vos stands. Vous êtes des auteurs sérieux qui êtes là, fidèles. Non, Patrick Autréau, vous partez, vous. Comment ? Vous retournez sur votre stand ? Oui. Donc autrement, si vous voulez leur parler, le plus simple, c'est de venir les voir ici immédiatement. Merci à vous et merci à eux. Merci.